magnifique. Avec une belle séquence à la fin. Oh, on a pas vu de séquence depuis le début. Depuis le début du jeu, on n'en avait pas vu. Mais... ouais. Look est bien faite d'ailleurs. Si on en avait vu au début. Tout au début. Quoi? On a vu une séquence tout au début du jeu. Ouais? Enfin, c'est la deuxième là, ouais. Ah, et non, c'est pas fini. Qu'est-ce que vous croyez? Il est vivant. Bah attends, il est résistant. C'est pas un vieux T-Rex de merde. Quand je te dis qu'il en veut, il en veut. Hein. C'est pas semblant. Tout le monde va crever en fait. Et voilà. Oh. Et voilà, c'était magnifique. C'est cool. Oh. Ça déconne là ou... c'est le CD. Enculé. Youpi, alors on a attendu tout pour cette séquence là. Vous savez quoi, en fait on va la passer. Ah non, c'est bon. Pardonnez-moi pour la séquence hein. C'est mon CD qui est un peu rayé. Oh, ça va, ça peut durer longtemps. Ouais, ouais. Toi, tous tes CD sont rayés, putain. Bah, c'est des classiques alors au fur et à mesure, ils ont besoin de servir, ça fait des années que je les ai. Hein? Je sais pas ce que ça fait avec, mais putain. Ah, mais attends, je me gratte les fesses avec mes CD, qu'est-ce que tu crois? On laisse... Non, les crédits, on les laissera pour le prochain. Enfin, pour la dernière fois. On peut pas les passer. Ça, la bonne nouvelle. Donc ouais. Voilà, donc c'était les crédits de jeu qui en avait pas l'air parce que. Ouais, mais en fait, il est génial, vous avez vu. Il est vraiment fun. Et qui est pas fini. Donc, pour info, on va avoir des modes spéciaux que je créerai après la troisième fin en fait. Ah ouais. Et donc parle-moi de ton boss de FF6 donc. Ok. J'attends avec impatience, vas-y. Donc quoi, il s'appelle Magi Master. Ouais. Donc il craque la magie. Ah oui, c'est lui que tu m'as dit qu'il est casse-couille parce qu'en fait il change à chaque fois. Ah il est putain de casse-couille. Mais il y a plein de techniques pour le battre en fait. Enfin faut pas faire le bourrin, balancer tout ce qui bouge ça. Ouais. Donc en fait ouais, il change de faiblesse tout le temps, il craque la magie. Ouais. Donc on peut pas lui faire des coups et tout ça. Et en fait, il change de résistance tout le temps. Enfin, peut-être de faiblesse quoi, d'élément. Ouais. Et donc, si t'es 7, tu vois, ouais. De lui lancer une magie à chaque fois, déjà, quand il change d'élément, tu sais pas lequel c'est. Alors tu lui fais scan, mais dès que tu lui lances une magie, il change d'élément. C'est un truc de sadique. Donc tu sais jamais quand c'est. En fait, il y a deux... Et quand il crève, il envoie Ultima, et tous tes persos crèvent. Ouais, comment tu fais pour... Alors, je vais vous expliquer, plusieurs techniques. Ok. Il y a une magie qui s'appelle V3. Oui, que tu m'as dit que la place ça fait. C'est ouais, en fait tu ressuscites quand tu crèves. Ouais. Soit tu fais ça, tu le bats normalement en lui faisant des magies qui n'ont pas d'éléments par exemple, genre météore, tu vois. Ouais. Enfin, élément neutre quoi. Enfin, il crève quoi, et voilà. Et il bute tous les persos, il y en a qui ressuscitent grâce à V3. Soit tu bouffes toute sa magie, c'est-à-dire que tu lui fais les trucs qui enlèvent la magie. Parce que quand il a plus de magie, il crève aussi. Ouais. C'est comme si c'était sa vie un peu. Et après il essaie de lancer Ultima mais il a plus de magie donc ouais. Ça te fait rien. Soit, enfin en fait il y en a que deux. Vous avez des images de l'autre fin en fait. Ah ouais. En fait c'est le même crédit ouais. Voilà, c'est le même crédit. Et il y en a une autre mais c'est pas une vraie stratégie, c'est moi qui l'ai inventé, je fais le con. Ouais. En fait t'as des ennemis, ils ressemblent à des balles. Ouais. Et avec Loki tu peux leur voler des super balles. Donc ouais. Moi j'ai fait un truc de taré, j'en ai volé 99. Et après je lui ai envoyé que des super balles comme ça. Ah ouais, et après et ça lui faisait des 3000. Et tu l'as dans les non, c'est 3000, ouais, et ça. Pokémon. Ah tiens, you have mail. Non, c'est un objectif. Vous avez des amis encore une fois. Mais c'est pas l'intro ça. Non. Justement, c'est le gros boss. Et en fait là, il va avoir le compte rendu de l'opération. Donc on va avoir le compte rendu magnifique. Okay. We have recaptured Dr. Kirk, who is currently negotiating future experiments with the military high command. Bah, donc il a retrouvé du boulot, hein, si vous avez compris. Status deceased. Due to uncontrollable circumstances, Gale had to sacrifice himself in order to protect the target. Mais là, on voit pas la même chose sur la fin, là. Ouais. Alive.
Rick is currently analyzing the data that was recovered from Ibis Island. Ah, la fin du jeu. On sait enfin qu'il s'appelle l'île Ibis. Status. Ah, Regina, status alive. Ah bon, je croyais que c'était John qui parlait. Tom. Bah, Tom, il est mort, c'est l'autre. Alors lui, ouais. Tom was attacked and killed by a giant reptile. Lui est obligé de crever, lui. Non. Enfin oui, si, oui. Mais tu peux, il peut mourir. De enfin, différentes manières. Ah, Cooper, il meurt au début. Ah oui. We lost contact with Cooper at the beginning of the mission. Non, on sait même pas s'il est vivant ou mort. Si, il s'est fait bouffer par le T-Rex au début. Non, non. On l'a perdu, mais on l'a pas vu se faire bouffer. Si, si. C'est lui au début qui s'est bouffé par le T-Rex. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et ça, tu vois, tu l'as pas dans le réseau des autres en fait. Parce que mais eux, ils le savent pas qu'il s'est fait bouffer. Game mode normal. Crédit 1. Putain, continue. Ça m'énerve ça d'avoir perdu un continu, ça me dégoûte. 5h47. Tu es pas long comme jeu. Ah ouais. Enfin 5h47, save 19, putain j'ai... Ça compte pas les fois où on a recommencé donc on endings 1 sur 3. Alors pour info, je vais juste prendre les faire les fins donc à chaque fois je vais avoir endings 1 sur 3. Je vais vous expliquer un truc en fait. Ouais. Ah, putain. Operation instructions. C'est long encore là. Bla bla bla. En fait, c'est pour dire merci d'avoir joué quoi. Voilà. Voilà, vous auriez pu faire mieux. Si oh. Vous, bah, si ah, si t'es pas content, bouge-toi le cul et viens le faire toi-même, tu sais. Non, non, c'est parce que c'est selon ton score. Ouais, en fait, merde. J'ai pas envie de tout faire pour cette fois-là parce qu'en fait, ouais, c'est, on a niqué c'est plus aucun... fun à jouer en fait. On a niqué aucun dino aussi. Ouais, mais ça, voilà. Donc, on a deux nouveaux costumes, comme vous pouvez voir. Et quand on va terminer le jeu, enfin, quand on aura deux fins sur trois, on va avoir un nouveau costume. Trois fins sur trois, on va avoir le dernier costume, le costume que je parlais d'homme préhistorique, enfin de femme préhistorique plutôt. Non, je ne sauvegarderai pas. Et. Là, que je voulais dire. On va avoir le costume de femme préhistorique. Et on va avoir la nouvelle mission. Alors là, du coup, comme je ne pas sauvegarder, vous l'aurez pas. Donc si jamais vous voulez faire ce jeu-là et jouer et faire ces missions-là, parce que bah, faut tout le temps que je vous trouve une motivation pour que vous fassiez ce jeu-là quand même. C'est des missions en fait où il va falloir tuer tous les. Il semble tous les dinos de la zone en un temps imparti. Opération Wipeout. Rien à voir bon, avec le jeu. Hein. On va se rattraper alors. Puisqu'on en a niqué aucun. Non, non, mais on peut pas parce qu'on n'a pas sauvegardé la mission et terminer le jeu. Ah, ok. Bon, voilà, donc les différentes fins. Si vous voulez voir toutes les tenues et tous les trucs. Ah mais tu fais chier. Quoi? Du coup on pourra pas voir le costume de femme préhistorique. Non. Ah merde. Non mais sinon faut se retaper 5 heures de jeu à chaque fois. Ah oui faut recommencer depuis le... Ah bah, donc, bah, mais non. Si. Si ça y est sur la carte mémoire la première. Oui mais. Et que tu recommences. Non non mais le truc c'est que la partie où il y a une fin sur 3 de fini, faut la sauvegarder, la charger et hop, refaire le jeu. Donc là c'est chiant. Alors tu sauvegardes sur un autre truc. Non non parce que je passe un autre tu truc. Charges l'autre. Là non parce que je charge l'autre. L'autre, il y aura, la partie de l'autre, il y a quand même 0 fois sur 3. Ouais, parce que ça se cumule avec toutes les sauvegardes, non? Non, non. Ça, sinon, faut tout le temps sur la même sauvegarde, en fait. Ah, ouais, ouais, c'est de la merde, alors. Donc, c'est assez pourri. Ça qui est chiant dans les jeux. Enfin, bah dans les jeux, quand... dans Valkyrie Profile, Vos Collection, si tu fais différentes parties, ça oui, joue, oui, oui, mais c'est ça qui est Valkyrie bien. Profile, oui, c'est pratique. Que là, non. De toute façon, c'est énorme, c'est tout. Ouais, voilà. Fais gaffe, tu uniques mon fil, là. Celui-là? Ah, ouais, merde. Et donc, Vas-y, tu peux, vas-y. Ouais, donc voilà. Donc, si vous voulez avoir tous les bonus et tout. Je vous conseille de le faire ce jeu là. En walkthrough, c'est censé vous montrer tout le jeu en entier, mais. Non, c'est pas censé montrer toutes les fins. Hein. Si. Non. Bah, si, montrer tout le jeu. Enfin, bah, l'histoire principale, l'histoire principale. Personnellement, je préfère montrer tout le jeu. Comme je l'ai fait pour Shadow. Non, mais attends, et tu crois que Kiralex va se péter le cul à faire toutes les fins? Non, mais ça va pas. Non. De Chrono Trigger. Non, mais Chrono Trigger, c'est particulier. Que là, j'aurai l'occasion de les faire en fait. Mais vous savez quoi, je vous laisse quand même. Enfin, si vous avez envie de faire ce jeu et voir les trucs spéciaux, c'est assez fun. Je sais que je l'avais fait et c'était assez fun. Et en fait, je me suis où là? Je croyais que j'allais sauvegarder avant. Hey, don't fuck you off my gueule. J'ai parlé. Oh en... bordel. Ah, je parle en franglais, attends. Oh mon dieu. Ça fait le gros beauf, c'est ça qui me. Quelle horreur. Ça, c'est tout le gros qui vient. Que j'aille où, sérieux? En haut. Attends. C'est tout, j'ai encore le stabilizer et le initializer, ok. Donc, t'as sauvegardé, c'est tout. T'as sauvegardé trop tard en fait. Non, j'avais. C'est bon, le son est pointé un peu. Non, non. Ah bon, moi il a planté. Ici là. Ouais, il y a un petit lag, mais bon. C'est rien. Ah, mais c'est chiant. Ça vient d'où? Ça fait tic tic tic, c'est ça? Ouais. Je sais pas si ça vient de la sortie ou si vous allez vraiment l'entendre. Ouais, de toute façon, ça s'entend rien du tout. Ouais.
Bah donc du coup, je pensais pour une fois à me servir de mes toxicogies pour que vous voyez l'efficacité du nouveau Vivendop. Fixation extrême. Voilà. C'est con cette pu d'ailleurs. Le gars il se fout du gel. Voilà, et regarde, j'ai tiré une balle. Et il est violent. Non. Mais s'il est mort. Et t'aurais pas pu le faire contre le dinos. Non, pas direct, c'est contre le T-Rex. Sur le boss, quoi. Enfin, sur le boss, quoi. Ah bon. Ouais. En fait, il y a plein d'armes, il y a plein de possibilités un peu. Ouais. Et donc, attends, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, là, ça déconne à mort là. Ouais, non. Hein? Non. Non, c'est. Non, ça. C'est un jeu de toi.